Bonsoir à tous et voici une nouvelle vidéo des actualités du net. Donc, ce soir, nous allons parler de croquettes pour animaux, notamment pour des croquettes pour husky et autres chiens de race. Donc, j'ai fait la découverte des croquettes Crave, donc de la marque Mars. Qui se lance depuis un an dans les croquettes pour animaux. Donc j'ai testé la saveur poulet frais. Donc ces croquettes sont sans céréales, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc il y a plus de 60% d'ingrédients d'origine animale et haut niveau de protéines. Donc c'est à la dinde et au poulet. Bon, c'est des sacs de 1 kilo malheureusement. J'espère que la marque va faire des paquets de 10 ou 12 kilos parce que aller au supermarché pour acheter des sacs de 1 kilo, il faut pas mal en prendre. Donc au prix de 6,99, des fois ils sont en promo, donc n'hésitez pas. Donc j'ai testé avec ma chaîne Nouski 5 autres marques avant. Celle-là, ben, c'est celle qu'elle préfère, tout simplement, au point de vue du goût, très certainement, et protéiné. Je lui rajoute de l'huile de saumon, hein, et elle finit toutes les croquettes. Et en plus, dans la gamelle, j'y mets 230 grammes, et elle en demande pas plus. Voilà, donc alors de quoi sont composées ensuite ces croquettes-là. Donc vous voyez, vous avez un tableau pour savoir combien donner de croquettes par poids de votre animal là. Donc après ils disent friandises. Bon, moi j'ai donné que les croquettes puisqu'elle fait 20-21 kilos ma chaîne Husky. Donc j'ai donné 230 grammes, j'ai essayé d'y en mettre plus, elle les a laissés, donc ça lui convient parfaitement. Voilà, j'ai pu tester aussi la friandise au bœuf. Elle a bien mangé aussi, mais bon, après, vis-à-vis du prix, bien sûr, on ne peut pas en prendre des tonnes, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, donc ensuite, nous avons un haut niveau de protéines pour participer au maintien de la masse musculaire, comme ils disent. Ensuite, sans céréales, préparer sans céréales, voilà, pour une digestion sensible. C'est vrai que je vous conseille fortement de prendre des croquettes sans céréales. Parce que déjà, au point de vue des selles des animaux, leurs selles sont beaucoup plus nettes et ils n'ont pas la diarrhée. Hein. Parce que ne prenez pas des marques, d'autres marques que vous trouvez dans les supermarchés, parce que je peux vous dire que là, vous tuez vos animaux à petit feu. Hein. Bon, après, le meilleur, ça reste le barf, mais le barf, ça coûte plus de 100-120 euros par mois, donc il faut pouvoir se le permettre. Hein. Voilà. Donc, la taille des croquettes, voici. Je vais vous sortir une croquette, comme ça vous pouvez voir la taille réelle de la croquette. Il m'en reste bien sûr dans le sachet. Oui, il m'en reste une. Voici la taille de la croquette. Voilà, donc de taille moyenne, hein, peut-être un peu plus grosse aurait été préférable. Donc j'espère que donc vous avez une date de péremption. Hein, bon, des paquets d'un kilo, c'est vite fini. Hein, de toute façon, voilà, donc vous voyez, là, parce que comme c'est à base d'aliments frais. Là, il y a une date limite, hein, bien sûr. Voilà, donc j'ai envoyé quelques messages à la marque
pour justement, parce que tout le monde demande des paquets de 10-12 kilos, à un prix raisonnable, hein, pas plus de 70 euros. Hein, je pense que si le prix s'approche des 100 euros, les paquets ne se vendront pas, ça c'est sûr. Et certains, là, c'est même pas la peine, les gens se passeront au bar et n'achèteront pas ces croquettes au prix de 100 euros le paquet de 12 kilos, hein, ça c'est sûr. Hein. Voilà, donc voilà, c'est plus de non, c'est pour ces paquets de croquettes, hein, comme les marqué ici. Voilà, donc pour tous ceux qui ont des huskies ou des races assez sportives, au point de vue des chiens, ben, je vous conseille fortement ces croquettes qui, je les avais vues depuis quelques mois, mais comme je voyais que les paquets ne baissaient pas dans les rayons, ben, je me suis dit, bon, qu'elles n'étaient pas bonnes, mais franchement, ben, j'en suis fortement ravi. Voilà, donc maintenant, à savoir si la marque va suivre les avis des consommateurs. Donc on veut des paquets de 10-12 kilos. Voilà, donc ben, j'espère que la marque nous écoutera. Hein, parce que bon, il y a d'autres saveurs, hein, bien sûr. Là, j'ai fait un test, j'en ai acheté deux autres, hein, j'ai pas encore testé, mais ça va vite le faire, hein, bien sûr. Voilà, donc très très bonne croquette pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, c'est ce qu'il n'y a pas, voilà. donc, il n'y a pas de céréales. Il n'y a pas de colorant et ou arôme artificiel et de conservateur artificiel. Voilà. Donc voilà, ben, j'attends vos avis, hein, pour ceux qui vont en prendre ou qui en ont déjà pris. Hein, parce que c'est vrai que sur le site officiel de Crave, il n'y a pas beaucoup d'avis. On est 5 à avoir mis des avis, donc pour l'instant, vous verrez le mien d'ailleurs. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, hein, et j'attends votre avis, hein, pour voir ce que vous en pensez. Hein. Voilà, moi je vérifie bien sûr les selles de ma chienne, hein, pour voir s'il n'y a pas de problème. Je les ai prises il y a 2-3 semaines maintenant. Voilà, et je peux vous dire, j'ai fait une gamelle avec moitié avec les anciennes croquettes, moitié avec celle-ci. Ma chienne n'a même pas touché les anciennes, hein, je peux vous le dire. J'avais remarqué que donc j'ai testé 5 marques, hein, je vous le dis. Alors, c'est au début j'avais pris des croquettes avec céréales, ce que je ne savais pas trop. Donc je peux vous dire que j'ai vite arrêté parce que la diarrhée plus les gaz de ma chienne, c'était pas très bon pour elle, ça c'est sûr. Hein, voilà, donc. Voilà, on va voir avec le temps, hein, pour voir si, point de vue de la musculation de ma chienne Husky, si ça lui fait du bien aussi, hein, puisque je vais faire du canivet VTT bientôt, donc il faut des protéines, hein, voilà, donc vous voyez la photo de Husky sur l'emballage. Voilà, donc ben c'est tout pour cette vidéo. Hein, ben, alors, si vous avez aimé cette vidéo, ben, un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur plein de produits et autres jeux vidéo, musique, etc., etc., ben, si vous voulez vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, puisque une vidéo par jour sortira. Voilà, donc bonne soirée à tous et on se retrouve pour d'autres vidéos sur d'autres produits. Merci.